Je n'ai jamais plus trop smashé là. Waouh, la mezzanine. Qu'est-ce que je fais? On est à Séoul. Ma ville préférée au monde. Un an plus tard, je suis de retour. Ça y est, ça reprend les vidéos à Séoul. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent grâce aux vidéos de l'année dernière à Séoul. L'année dernière, j'ai lancé mon concept de la vlog week. Je faisais une vidéo par jour pendant une semaine et on découvrait Séoul ensemble. On a fait ça dans plusieurs destinations. Cette année, évidemment, je ne vais pas refaire une vlog week à Séoul vu que j'en ai déjà fait. En revanche, il y aura deux vidéos par semaine comme d'habitude, sauf que ce sera des grosses vidéos. Je me suis dit, l'année dernière, on a découvert la culture, on a découvert Séoul ensemble, tout ça. Là, on va faire des concepts vraiment qui n'ont aucun sens, les gars. J'ai prévu des trucs de ouf. Malgré tout, il y a quand même plein de choses à Séoul qui me restent à découvrir. J'ai décidé de faire beaucoup de TikTok en plus, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram, bien sûr. Je vais être archi active, plein de vidéos à Séoul, des grosses vidéos. On commence avec celle-ci, excusez-moi. J'ai privatisé un karaoké pour 24 heures. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici, c'est comme une religion, les karaokés. Il y en a partout, c'est incroyable, c'est trop bien fait et c'est trop beau. En gros, ça va être ma maison. Je fais ma vie, c'est chez moi, je l'ai privatisé. Littéralement, je sais pas si vous êtes au courant, genre là, on est sur une vidéo, j'ai mis le budget, si vous voyez ce que je veux dire. Le karaoké n'est littéralement pas ouvert 24h sur 24, donc j'ai fait ouvrir le karaoké 24h. Genre, on en est là. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je suis dans le même hôtel que l'année dernière parce que c'est vraiment genre chez moi. C'est vraiment chez moi, genre. On va faire notre valise et là, on va y aller. Genre, ça va être chez moi, vous voyez, c'est chez moi. Je peux aller manger, aller me chercher des petits trucs. Et je reviens, genre, c'est ma maison, je vais y dormir et tout. J'ai réservé du coup de midi à midi de demain. Donc là, faut qu'on y aille. Évidemment, j'ai prévu des choses essentielles comme une petite lampe sunset. Je veux que ce soit comme à la maison, en fait. Prête pour mon déménagement. On arrive bientôt, c'est sur la droite. Et genre vraiment, je voulais absolument ce karaoké parce que l'année dernière, j'en avais fait un ici. Je voulais la même salle et tout. C'est là. MDR. Et moi, je suis dans cette salle normalement. Bienvenue chez moi. Donc voilà mon petit salon, c'est très sympa. Ici, nous avons la vue de ma fenêtre de mon appartement. Et ensuite, en haut, nous avons ma chambre. Excusez-moi, je suis surexcitée. Et voilà ma chambre. Nous avons un petit miroir pour faire ses meilleures photos Instagram. Incroyable. Genre là, passer 24 heures là, excusez-moi, mais je trouve ça incroyable. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts pour voir de nuit avec toutes les lumières, déjà les lumières dehors et à l'intérieur, genre les trucs de boules à facettes et tout. Mais fou rire, c'est hilarant. Je vous montre comment ça se présente. En gros, il y a plein de salles, il y a plein de box. Là, c'est des box côté rue comme moi, mais elles sont plus petites. Et ici, c'est des trucs... Alors, j'ai beaucoup hésité à faire là-dedans, parce que regardez comment c'est. Mais en fait, il y a vraiment pas assez de lumière pour filmer. Ça se trouve, s'il y a personne ce soir, je pourrais tenter d'aller dormir là-dedans. Parce que j'ai très peur pour mon sommeil. Là, c'est encore plus grand. Mais vraiment pas assez de lumière pour filmer. Mais je trouve ça hilarant. Et donc, c'est plein de salles comme ça. Donc, voilà comment ça se présente. Donc du coup, j'avoue, j'ai pas fait de programme. Quand j'aurai faim, j'irai m'acheter à manger. Quand je m'ennuierai, j'irai faire du shopping. Je ferai du karaoké. J'ai juste fait une petite invitation parce que j'ai des amis qui sont en même temps à Séoul. Je leur ai dit, les gars, ce soir, karaoké, vous venez à la maison. Comme ça, je serai pas seule loin à un moment dans cette vidéo. En vrai, il est midi. Ce que je vais faire, j'ai une petite session shopping à faire. On va voir le programme de ce soir, mais il va falloir que je retrouve genre de la skincare où j'ai pas besoin d'utiliser de l'eau. Là, je vois qu'il y a Olivion en face. Genre, c'est vraiment le best du best. C'est genre le Sephora coréen, mais version... genre incroyable. Donc peut-être qu'on va trouver des trucs, on va manger, aller se balader. Parce que je sais pas, sincèrement, genre, je pense que je vais faire une nuit blanche. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à dormir? Je suis pas sûre déjà comment j'entends la musique dehors, je sais pas comment je vais faire. J'ai mes petits coussins supplémentaires. Je vais faire comme ça pour les rendre un peu plus épais. Et j'ai même un petit plaid coréen. On est dans la f***, je vous dis. Session karaoké fini, une chanson, ça a bien suffi pour me mettre dans le mood.
J'ai envie de chanter là. On va aller se faire une mini session shopping. En fait, je vous explique ce qui se passe. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Castify, mais je vous explique l'histoire. L'année dernière, j'étais en Corée et je suis allée dans une boutique Castify. Je vous jure, c'était choquant. C'est magnifique, c'est immense, c'est incroyable. D'ailleurs, ma coque, vous me demandez tout le temps d'où elle vient. Celle-ci, bah, c'est une Castify. On va aller faire une session shopping et on va aller récupérer des coques. Je crois que je peux les personnaliser. On va voir comment c'est sur place. Comme ça, ça nous fait une petite pause parce que même si je viens d'arriver, on a 24 heures. On a du temps à écouler. Let's go! J'ai trop envie. En fait, ici, il y a un truc trop stylé. Les gens, ils mettent leur prénom sur leur coque. J'ai trop envie de faire la coréenne, j'ai envie de faire pareil. Oh mon dieu. En fait, ça, du coup, vous pouvez le faire soit en ligne ou soit en boutique. Bon, là, c'est trop cool d'être en boutique, mais en ligne, c'est super simple. Vous pouvez choisir genre tous les modèles, tous les contours. Donc, vraiment faire la coque de vos rêves. Ou choisir ce qui est déjà disponible. Je pense que je vais en choisir une autre aussi. Ok, donc j'ai trop de chance parce qu'ils m'ont dit de choisir ce que je voulais dans la boutique. Oh my god, mais me dites pas ça, je vais ramener pour toute ma famille. Du coup, en fait, là, il y a un artiste coréen et franchement, je trouve ça incroyable. Et en plus, elles sont dispo aussi en France, donc parfait. J'aime trop les trucs, genre grave colorés comme ça. Celle-ci, je la trouve incroyable, vraiment. J'aime bien ce mood aussi. Peut-être que je vais en prendre une. Comme ça aussi. Two very boring minutes later. J'ai craqué, hein. Fallait pas me dire que je pouvais tout prendre parce que j'ai tout pris. J'ai pris des trucs pour Jérémy, j'ai pris des trucs pour moi. J'ai un deuxième téléphone aussi, donc j'ai pris une coque pour mon deuxième téléphone. C'est comme ça que je vais justifier. Première coque. C'est un artiste coréen. Regardez, comment j'aime trop. Je crois que c'est celle que je vais mettre direct. La personnalisée, elle est vraiment genre rose fluo. Je trouve ça trop stylé. Il y a marqué Andy dessus. Peut-être qu'en France, ça sera bizarre, mais en tout cas en Corée, c'est stylé. Je suis une meuf stylée là. Celle-ci, j'aime trop. Vraiment, c'est la Corée. Regardez, c'est toujours le même artiste coréen. Trop stylé. Je pense celle-ci, elle va trop plaire à Jérémy. Ces deux-là, je pense qu'il va trop kiffer. Et en dernier, j'ai pris pour les AirPods MDR, il y avait. J'ai pris une coque avec un poisson. Un petit poisson. Je trouve ça trop mignon. Alors, je sais que vous avez un code promo, mais qu'il faut l'utiliser uniquement avec le lien qui est en barre d'infos. Vous avez moins 15%. Le code, c'est 15 Hello Andy. Et vraiment, elles sont ultra résistantes. Genre, vraiment, celle-ci, je l'ai depuis des mois. Et je fais tellement tomber mon téléphone. Genre, c'est maladif, vraiment à ce niveau-là. Et bah, je vous jure que ça ne bouge pas. Genre, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Nouvelle coque. J'adore. Elle est trop belle. Merci, Castify. Faut que je retourne à la maison maintenant. Ça y est, fini le shopping. Retour à l'enfermement. J'ai chanté du Britney Spears. Bon, fin de journée. On va se détendre avec un petit karaoké. J'avais oublié que les gens allaient hurler, je vais jamais pouvoir dormir. J'ai honte parce que les gens ils m'entendent en fait. La qualité du matcha en France chez Starbucks. Ici, le matcha Starbucks, c'est genre une dinguerie. Donc du coup, bah, let's go, allez se balader un peu. Regardez comme c'est beau avec toutes les lumières, vraiment Séoul la nuit c'est mon truc préféré au monde. Genre Séoul de jour c'est trop cool mais alors Séoul la nuit, incroyable. Du coup
coup, je vais en profiter pour aller acheter de la petite skincare. Genre, il faudrait que j'arrive à trouver genre de la skincare que je n'ai pas besoin d'utiliser avec de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai confiance. On est en Corée, genre, il y a la meilleure skincare du monde. Et ensuite, je pense qu'on va aller au Samuel. En vrai, j'ai bien envie de manger genre une cup noodle, un petit truc de nouilles. Ce sera sûrement ma dernière sortie. Enfin, tout ce que je vais sortir cette nuit. Franchement, je sais pas. Genre, je suis grave rassurée à Séoul. Vous savez que, genre, c'est un des trucs que je préfère. C'est qu'on peut se balader tranquille. Mais après, genre, me balader à 4h du matin toute seule dans la rue, j'avoue, je l'ai jamais fait non plus. On va voir. Ça va être le défi du jour. Oh, Lou Diong. Je crois que je vais faire un max de TikTok là-dessus. Il y a tellement de choses à acheter. Il me faut un démaquillant, un nettoyant, une crème. Non, en vrai, une crème, j'en ai une, genre une mini dans ma trousse de toilette. Bon, c'est pas la priorité, mais j'ai trop envie de prendre ça. C'est vraiment mon masque préféré de tous les temps. Genre ici, il coûte vraiment rien. En France, c'est super cher. Bon, du coup, franchement, les homicidaires, c'est super galère parce qu'il y a vraiment que des trucs en énorme format. C'est un peu bête d'acheter ça. Du coup, je vais acheter ce truc. En plus, je crois que j'ai sur TikTok aussi. C'est une huile démaquillante avec un gel nettoyant. Et je vais prêter pour qu'il y ait un lavabo aux toilettes. J'ai fait mes achats. Maintenant, go aller acheter à manger. Franchement, j'ai trouvé une cup noodle. Pas plus. 7-Eleven. Sans ça, j'aurais jamais pu manger parce qu'en gros, ici, tu peux tout faire réchauffer. Tout, c'est incroyable. Vraiment, j'aime trop. Regardez, le micro-ondes. On peut tout faire. J'aime trop. On a un choix, mais monumental. Quand il y a ça là, si les Coréens ils mettent spicy comme ça là, croyez-moi, vous avez pas envie de goûter. Ça, ça me donne envie. Je vais essayer de traduire. En plus, c'est au milieu le spicy, donc je me dis ça passe. Heureusement qu'il y a Google Traduction, vraiment. Je crois que c'est genre des pâtes avec un peu de bacon. Bon, en vrai, je vais prendre ça. Franchement, je sais pas quoi prendre d'autre. Ok, maintenant que j'ai payé, il faut mettre de l'eau chaude et mettre sur le micro-ondes. Genre, ça doit cuire. Je fais vraiment ma vie comme si j'étais chez moi. Je peux pas filmer, hein. J'essaie de mettre de l'eau, j'essaie de tout faire là. Et là, je dois me mettre au micro-ondes. Tout me fait peur, j'ai l'impression que je suis que de la. Ça a débordé. Putain, ça craint ça. En gros, je suis censée mettre la petite poudre. Je sais pas trop à quoi c'est, j'ai l'impression que c'est genre au bacon. J'ai rien compris. Et je suis censée mettre le piment. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais regretter. Oh mon dieu, c'est archi spicy, j'ai même pas mis la moitié du sachet. Ah, ça m'arrache. En vrai, c'est bon, ça a pas du tout le goût de bacon. Je sais pas, ça a le goût vraiment de nouilles avec une espèce de sauce. Non, mais plus, c'est trop spicy là. Bonsoir. Hello. Bienvenue à la maison. Ça sent bon. C'est grand. Oui, c'est... Alors ça c'est mon canapé. Ah ok. Mélange pas tout quand même, je vais pas dormir là. Attends, tu me prends pour qui? Ah bah je ne sais pas, j'ai hâte de voir un peu la visite. C'est pas sud, non? Oui, c'est pas dans sud, il y a beaucoup de lumière la journée. Allez voir mon lit en haut, hein, je vous laisse. Franchement, je pense que vous allez rester dormir d'ailleurs. Ah ouais? Il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Waouh, la mezzanine. Regardez juste comment tout est en coréen et comment je maîtrise. Vas-y, vas-y, vous êtes impressionnés. C'était drôle, là c'est plus drôle. C'était très drôle avec tout le monde, ça m'a fait une pause. Mais là, entre temps, je suis allée sur mon téléphone, genre je me suis posée un peu. Genre, attendez, parce que vous, vous avez pas le mode. Genre là, vous avez un mode où normalement vous entendez moins de bruit, c'est mon micro. Attendez. Vraiment, enfin, comment je vais dormir? Bref, du coup, on va aller se faire une petite skincare routine. Je suis traumatisée. Il y a qu'un lavabo. En fait, vous savez ce qui se passait, je vais me taper la honte parce que au moment où je vais me démaquiller, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer, vous allez voir. En plus, il n'y a rien pour que je m'essuie le visage. Faudrait que je prenne du papier toilette au moins pour essuyer mon visage. Mon mascara ne part pas. Non mais là, c'est quelqu'un qui rentre, ça va pas. Oh, sorry. No, it's okay. Are you okay? Yeah, I thought you have nose bleeding though. I was seeing like this. No, like, oh my god, I'm are you taking a video? Oh, dear, sorry. It's okay. Oh, wait, wait. No, no, it's okay. Thank you, I'm sorry.
bosser, j'ai de la salle, je peux tout faire dans la vie. Manquerait plus que je fasse une réaction allergique et puis là, bah là ce sera parfait en fait. Hein. Je vous jure que je crois que je suis une réaction allergique. Je suis très rouge quand même. Je sais pas. Ça y est, j'ai fait ma skincare routine, je suis détendue là. Oh là là. Je vais finir par habiter ici. Hein. En vrai, je suis en train de me chauffer à faire un masque. Puisque je pense vraiment que là, je pourrais pas aller dormir. Donc autant faire quelque chose de ma peau. Mon masque préféré de toute la terre. Et j'ai pas de serviette pour me juer les mains. Bon bah je vais laisser poser. On revient quand c'est fini. Approximately 10 hours later. J'ai laissé poser mon masque. Là il est 1h du matin, je vous explique. Je vais m'effondrer de fatigue. En plus avec le décalage, genre, ça fait vraiment 2 jours que je suis arrivée. Je suis décalée à la mort. Je donnerai mon âme pour retrouver mon lit. Jérémy il a lit pour lui tout seul, genre normal. La chance. Du coup au programme, go finir ma skincare routine. Ensuite, mettre en pyjama. En fait je suis en train de me demander. Parce qu'en fait il y a des caméras partout et littéralement je suis nue dehors. En fait tout à l'heure je me suis dit vas-y je vais peut-être descendre, genre me changer, mais les toilettes, genre c'est dégueulasse, je peux même pas poser mes pieds, enfin vous avez compris. Donc j'ai un genre t-shirt de pyjama que je peux mettre par-dessus mes vêtements. Et en fait je crois que je vais dormir en jean. C'est horrible, mais de toute façon je suis préparée à pas dormir. Je crois vraiment chez moi. J'aurais tout fait. Bon, pyjama. Super tenue pour dormir. Putain, en fait j'ai envie de faire un karaoké. Ok, j'ai envie de faire un dans mon lit. La vidéo commence maintenant. 1, 2, 1, 2. Le son est tellement fort. C'est lumineux. Bah déjà il y a les télés, mais en vrai dehors c'est tout allumé, c'est où ça s'éteint jamais, genre la nuit c'est jamais éteint. Ah non mais là je fais pitié là. Qu'est-ce que je fais? Je jure que je suis en train de m'endormir. Il est presque 2h30. J'ai commencé à somnoler, genre vraiment somnoler. Et d'un coup, je sais pas si vous entendez, il y a, je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans le box qui est à côté là. Il y a genre de la batterie, genre super fort, ça fait trembler les murs. Et ça m'a réveillée de ma somnolence. Du coup, je suis allée chercher mon téléphone et tout en bas pour genre m'occuper. Et genre vraiment, là, je peux pas dormir. Genre là, je suis fatiguée, mais je peux pas dormir. Genre c'est même pas comme si j'étais bien et qu'il y avait juste du bruit. Vous entendez ou pas? Donc je pense que je vais sortir en vrai. Je vais aller genre manger un truc. Je me dis si je suis en période de digestion, peut-être que je vais m'endormir plus vite parce que je serai fatiguée, je sais pas. Bref, je vais m'habiller et je vais essayer d'aller acheter un truc à manger. Je pense sincèrement que j'ai jamais autant regretté une vidéo YouTube. Genre je suis contente parce que peut-être que ça sera drôle. Mais par contre, j'ai jamais aussi mal vécu une vidéo, je crois. En fait c'est ouf parce que y a moins de monde mais il y a quand même du monde, genre je suis pas seule. J'aime trop ça, genre vraiment c'est cool, ça vit la nuit. Je sais pas, il y a un mood en fait, genre tu peux te lever, tu peux faire une insomnie, tu peux aller manger quand même. Tu peux un peu faire ta vie. Ok, je mange ça. Il y a 15 mecs autour de moi, il y a un mec en train de streamer à droite, j'en ai rien. Je mange en 3 secondes et je reviens dans ma cabine. Regardez juste son set. Genre c'est vraiment comme des trucs, c'est des gâteaux salés avec du chocolat. Quand on a aucun autre, je mange ça, je m'en casse. Excusez-moi, j'ai vraiment pas la confiance. Je crois que officiellement, je n'ai plus de gêne. Genre, je suis vraiment dans la rue, en train de vivre ma meilleure vie, de vlogger. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis une meuf gênée. Genre là, c'est plus le cas, ça y est. Cette vidéo m'aura servi. C'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment un cauchemar. Genre, quand tu passes dans le couloir, c'est genre, t'as toutes les émotions d'un coup. 2h53. 3h quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais genre regarder un film, essayer de dormir. Et je vous tiens au courant. Bonjour. J'ai l'impression d'être bourrée. Il faut que je vous raconte cette nuit. Déjà, j'ai fait comme cogner à cette nuit. Vers genre 4h, un truc comme ça. J'entendais plus vraiment. En fait, j'entendais genre un box. Mais c'était pas de la musique. Genre, c'était pas un mec qui hurlait ou quoi. C'était genre une personne seule avec la musique à fond. Enfin, je sais pas. Mais tout le monde était parti. Genre, vraiment tout le monde. Mais le truc que j'avais pas calculé, il y a la musique de tous les box qui. En fait, pour dire qu'il y a personne dans le box, ils laissent les portes ouvertes. Et ils mettent la musique dans les box. Donc, en fait, il y a quand même de la musique qui est 40 milliards de fois moins forte. Mais il y a quand même de la musique. Donc, déjà, ça te hante. J'ai réussi à dormir, mais. Genre, c'était vraiment pas un sommeil profond.
et j'ai le dos. Je peux même pas vous expliquer comment je suis trop mal. Je me suis rarement aussi mal sentie. Enfin, genre aussi sentie comme ça. Genre, j'ai vraiment une sale gueule là. Mon déménagement, 24 heures après. J'ai toute ma vie là. Mes petits coussins et je me casse. Salut, à jamais. Bye bye. De retour à la maison, je peux pas te croire. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Je pense que plus on teste des trucs chelous, plus moi ça me plaît. Sachez que je reste 3 semaines à Séoul. Donc, vous allez encore en avoir des vidéos ici. Une le mercredi, une le dimanche à 18h. Et je vais poster un max de TikTok, un max de trucs sur Insta. Pour vous partager les petits trucs du quotidien, en plus des concepts de vidéos sur YouTube. Activez les notifs un peu partout où vous voulez. Mais en tout cas, merci beaucoup parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et vraiment, genre, on dirait pas, mais je vis ma meilleure vie. Genre, je suis là. Plus heureuse du monde d'être à Séoul. Pouvoir partager ça avec vous, c'est incroyable. Franchement, je suis tellement heureuse. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous jure, parfois, je me dis, mais certes, je travaille, mais sans vous, ce serait pas possible. Alors, c'est littéralement vous qui regardez les vidéos, qui me soutenez, la motivation que ça donne d'avoir autant de retours positifs. Genre, vous avez pas idée. Et genre, ça, mais il y a rien de plus luxueux que d'avoir des gens qui nous soutiennent. Ça, fallait que je le dise. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je suis un cadavre. Je vais aller dormir parce que je dois être en forme car j'ai d'autres vidéos à tourner. Je vous fais des bisous et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.